Déclaré membre du syndicat ETICA, chargé de l'organique. Donc à Sagui, c'est une journée de protestation comme vous voyez, donc le paiement des 5 salaires. Donc le deuxième point essentiel, donc, c'est notre plateforme de revendication. C'est la satisfaction de notre plateforme de revendication. Donc le point essentiel, c'est la convention. C'est de revoir la convention collective. Avec la convention, elle date des années 90, 92. Donc, à ce jour, elle n'a pas changé. Donc, c'est des salaires misérables. Donc, surtout le point de la convention collective. Je suis Emile. Je travaille dans le Barcelone d'Argent. Je connais de toute façon, juste, on n'a pas de contrat à rendre avec des personnes. On revendique notre droit d'abord, c'est notre droit. C'est le monsieur qui l'attache. Tout nous connaît de la convention, tout est relatif à la convention collective. Donc il est temps de la réviser, de la revoir. Tar Filali, secrétaire général de la section syndicale ETK. C'est une journée de protestation à Séguin, on observe à Séguin, et d'ailleurs, on sait l'ensemble de l'ETK par rapport à les 5 mois de salaire au Touakhl Sénara. Donc, c'est des pertes familiales que tu imagines. Il y a la rentrée scolaire qui est en train de se faire. Donc, à chaque fois, nous avons des réclamations et tout ça à la direction générale. Et nous avons des carences, ça veut dire que c'est le plus gros salaire. Donc, il y a des choses qui sont en train de se faire. Et c'est un peu plus gros. Donc, à Ségou, on a observé une journée de protestation. Béchassinéni a fait une solution et a fait. Donc, imagine, tout le monde, vu le pouvoir d'achat, il a fait un peu de temps. Ça fait 5 jours. Donc, il a fait un peu de temps. Il a fait un peu de temps. Il a fait des solutions. Il a fait un peu de temps. Je suis Amour Mourad, directeur général par intérim de l'ETK, entreprise touristique de Kabylie, qui relève du groupe GHTT. Je commence par la deuxième revendication, c'est la révision de la convention collective. Une réponse leur a été signifiée par écrit, leur signifiant que pour la révision de la convention collective, il faut que l'une des deux parties dénonce ça. On attend justement leur demande de revoir cette convention collective avec un courrier recommandé et déposé à l'inspection du travail et nous donner les points et articles qu'ils veulent qu'on revoie ensemble. Ça, c'est pour les neufs, on attend justement leur demande. Quant au salaire, je vous fais savoir que depuis avril 2017, tous les travailleurs ont été payés chaque mois. Il y a eu des moments où il y a eu des retards, mais à chaque fois, on les a payés. Ça fait pratiquement 50 mois qu'ils ont perçu leur salaire dans l'intégralité sans travailler. Ils sont payés pratiquement à la maison. Ils viennent, ils font des petits passages à l'unité, oui. Il n'y a rien à faire, c'est de l'entreprise, les unités de l'entreprise sont en rénovation. Ils sont, mais ils ont tout le temps perçu leur salaire. On a eu de l'aide du groupe,
On a fait des ventes aux enchères de notre ancien mobilier. On a eu même un crédit bancaire d'exploitation pour payer les derniers 5 mois de salaire de janvier à juin. On les a payés au mois de juillet. Juillet, c'est août et septembre. On les a versés métier en totalité. 2 mois, 1 mois, 1 mois et 2 mois. Comme ça, pour faire les 5 mois, pour faire face à la rentrée scolaire, aux fêtes punaises, etc. Maintenant, depuis le mois de juillet, ils n'ont pas été payés parce qu'on attend l'ouverture de l'unité Bellois et on bute sur l'autorisation d'exploitation. Si on ouvre l'hôtel Bellois ces jours-ci, on leur a promis dans la réponse qu'on leur a faite que les 2/3 des recettes iront directement, chaque mois, les 2/3 des recettes iront pour le paiement de leur arrière et de salaire. Et leur mois de salaire en cours sera réglé. Alors, on espère que les autorités vont nous donner l'autorisation d'exploitation rapidement. On a un hôtel bracelet d'argent qui est ouvert. Déjà, lui, il est en train de payer ses travailleurs le plus normalement du monde. Quant aux autres travailleurs de l'LRTJ et Bellois, on attend l'ouverture de l'hôtel Bellois qui fera face aux salaires de Bellois, du personnel de l'LRTJ et du personnel du siège. Et ça, on connaît les capacités de rendement de cet hôtel qui va sûrement faire face à tout ça.